De retour ici à la salle d'escrime de l'INSEP où je m'entraîne avec l'équipe de France. Cette semaine, nous avons suivi la championne du monde en titre de ski alpinisme. Caméra embarquée avec Laetitia Roux. Puis Saint-Vincent, première étape de Coupe du monde de ski alpinisme de la saison. Un premier test pour la multiple championne du monde qui, à 29 ans, survole la discipline. Au programme ce jour-là, l'épreuve de course individuelle, 5 ascensions, 5 descentes et 1500 mètres de dénivelé. J'ai envie de m'amuser en fait aujourd'hui, j'ai envie de voir un peu, ça fait longtemps que j'ai pas couru et j'ai envie de retrouver un petit peu les sensations, ce qui se passe un peu en moi, un peu le moteur quoi, savoir si ça va tourner, s'il va falloir gérer, s'il va falloir retrouver un peu tout ça, c'est excitant. Le parcours en lui-même, c'est vraiment dans ses cordes parce que c'est un parcours technique, 5 montées, 5 descentes, tout est réuni pour qu'elle fasse bien quoi. Ça faut les premières montées et puis après t'as des bonnes manips, propres des manips. J'ai l'impression que c'est pas mal les conditions là. Hein. Il y a moins de vent qu'hier encore. Première étape de la Coupe du Monde, donc on va essayer de faire un bon départ pour la saison. Devant, l'écart s'est creusé tout doucement. Hop, on monte au rythme. Voilà. C'est jamais facile, faut toujours rester concentré. Même si on est devant, on reste concentré, on fait des bonnes manips, parce que voilà, c'est quand on se relâche que là, il arrive un problème, quoi. Ouais, vas-y. Tu vas aller en tête, je suis en fond de l'écart, là. Hé, Tissia ! Allez, Tissia ! Allez, 1:30 d'avance avec Axel. Après, d'ailleurs, j'ai pas la suite, mais j'ai pas vu de fille, d'ailleurs, au loin. Allez. C'est bien. Laetitia en tête. Et là, donc au sommet de la Pendine, là, donc au sommet de la troisième montée, elle est en tête avec 1:30 d'avance sur Axel Mollaret. 1:30 de Laetitia. Allez, allez. Allez, Axel. 1:30. Allez, allez. Elle refait une montée. Il y a une bonne descente technique. Et ensuite, de nouveau encore un portage. Donc encore deux montées. Donc la course n'est pas finie. Là. Les parties techniques, même si on est devant, faut rester concentré. À tout à l'heure. Laetitia qui arrive. Laetitia, vas-y. Laetitia, bravo. Tout le long, elle a été au début à peu près à 1:30 d'avance. Et après, bah, tout doucement, l'écart s'est creusé parce que bien sûr, il y avait encore des parties techniques en descente. Sachant qu'on a un renseignant qui est à 3 minutes, bon, sauf erreur, sauf problème, bah, il suffit de skier comme elle sait faire et puis il n'y a pas de souci quoi. On avait quand même un bon rythme, ça tirait, puis après j'ai réussi quand même à trouver mon rythme, à faire un peu le trou sur les descentes, à me remettre bien dans ma course, et puis après tout s'est déroulé de mieux en mieux. Félicitations. Oh,
Laetitia Roux. Bravo. Première Coupe de la saison, une victoire. C'est du bonheur pour elle. Bon, le gros objectif de l'hiver, c'est le championnat du monde quand même. Les conditions sont là, j'ai fait une bonne préparation en automne. J'ai plutôt des bonnes sensations là début de saison, donc il n'y a pas de raison, ça devrait le faire. Ouais. La patate. C'est un bon départ, j'espère que ça va continuer comme ça.